your empty hands in mine. And scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. Cause I'm gonna stand by you. Que plus tu en fais et plus elles sont appétissantes, ces tartelettes. Oui, préparer une tartelette à la noix de coco et au citron vert, c'est un peu comme faire du saut à l'élastique. Ça peut faire très mal si on se rate. Eh ben pour moi, elles valent au moins une médaille d'or. Au fait, t'es arrivé à quelle heure ce matin? 4h30. Pourquoi si tôt que ça? Le four faisait encore des siennes, je voulais pas prendre de risques avant la soirée. Oh, toi, je te vois venir, on n'achètera pas de nouveaux fours tant qu'on n'aura pas plus de clients. Tant qu'on n'aura pas de four qui fonctionne correctement, on n'aura pas de clients tout court. Deux chefs sans aucun sens des affaires. Faut vraiment être inconscient. C'est pas de l'inconscience, on réalise un rêve. Ouais, et ben ce rêve est en train d'engloutir toutes nos économies. Je vois que tu as le moral, bel enthousiasme. T'en fais pas, va. On va faire un malheur, c'est moi qui te le dis. Ouais, ça reste à voir. Messieurs, dames. Bonjour Hélène, un bon pain aux olives tout frais? Avec grand plaisir. Maman? J'ai déjà des serviettes. Pas aussi jolies que celles-là. En plus, elles étaient à moitié prix. Je ne pouvais pas ne pas te les prendre. Très bien, elles serviront pour le repas de fiançailles. Est-ce que je vous ai dit que c'est moi qui ai fait se rencontrer les futurs époux? Je suis une vraie marieuse. Ah, je crois que je connais ce refrain. Ah oui, moi aussi. Six couples à mon actif et c'est loin d'être terminé. Je me défends plutôt bien, non? À quelle heure Tom et Jill seront là, tu penses? J'ai dit à tout le monde d'être ici à 18h. En tout cas, nous tenons à vous remercier de nous avoir recommandé. C'est un sacré coup de pouce. Eh bien, c'est vous la meilleure adresse. On n'allait tout de même pas fêter ça ailleurs. Guy Marco, ça t'embête de t'occuper de la déco? Il faut que je passe chez moi pour me changer. Qu'est-ce que tu vas mettre? Ma robe bleu clair sans manches, je pense. Pourquoi pas la rouge cache-cœur? C'est pas un dîner romantique, maman. On ne sait jamais, tout peut arriver, non? Et moi, je vais porter ma tenue habituelle. Vous en pensez quoi? Il ne manque plus que le rouleau à pâtisserie. Le rouge te va à merveille! Vous trouvez que je la couvre trop? Oui, mais vous le faites avec beaucoup de classe. Non, mais je rêve. On pourrait aller dîner quelque part demain. Je m'appelle Peter Vloom. N'hésitez pas à me rappeler, je vous donne mon numéro. Non. C'est le 206-555. C'est qui ce Peter Bloom? Peter, oui, je lui ai fait visiter une maison l'autre jour. Il l'a pas acheté en fin de compte. Mais un célibataire qui cherche une maison avec 4 chambres, il a sûrement envie de fonder une famille. Maman, arrête d'essayer de me caser. Claire, ton père et moi, on ne va pas tarder à partir en voyage. Et si on suit son programme, on ne rentrera que très rarement à la maison. Et je déteste l'idée que tu sois toute seule. Je suis pas toute seule. Je suis à la pâtisserie tous les jours, 24 heures sur 24. Et je ne changerai ça pour rien au monde. Je suis à ma place et j'ai tout le temps de tomber amoureuse quand je trouverai quelqu'un qui me plaira. Je t'assure que je suis très contente que tu sois comblée par ta vie professionnelle, mais on ne choisit pas le moment de tomber amoureuse. Non, écoute, mon histoire d'amour, c'est cette pâtisserie. Et ça, c'est suffisant pour moi. C'est plus que ce dont j'ai toujours rêvé. Ah, t'es ravissante, ma puce. Merci, papa. N'est-ce pas? Marco dit qu'il est allé à un festival gastronomique à Florence qu'il nous recommande chaudement. Pour bien démarrer la retraite, il y a pire, non? Ça a l'air chouette. Je ne me sens pas prête à prendre ma retraite. Après tout, je suis encore dans la fleur de l'âge. D'accord, dans la force de l'âge, je veux bien t'accorder ça, mais il faut pas trop m'en demander. Allez donc rejoindre les autres. J'arriverai à me débrouiller. Autrement dit, fichez-moi le camp. D'accord. Oui, moi aussi, tu vas te... Bonsoir tout le monde. Je tiens à tous vous remercier d'être venus. Et je voudrais lever mon verre et souhaiter à Jill et... Tom? Tom. Je leur souhaite une vie remplie d'amour et de bonheur. Hey, bravo! Hey.
Francine. À mon tour de porter un toast à ma tante Hélène pour m'avoir présenté Tom. On t'en sera éternellement reconnaissant. Oh, c'est ma récompense de vous voir si heureux. Merci à tous. À la vôtre. Maintenant, n'hésitez pas à me suivre au bar. C'est mon grand frère Sam qui régale, profitez-en. Allons-y. Bon, on y va. On se dit bien. Eh bien, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui apprécie mes conseils. Pas étonnant qu'elle les apprécie, tes conseils, puisqu'elle n'a pas eu à les subir depuis sa naissance. Comment manger, comment s'habiller, avec qui sortir. Non, ce qu'il faut pas entendre, tu exagères à peine. Oui, bien sûr. Parfois, il faut savoir écouter ceux qui ont un peu plus d'expérience. Maman, s'il te plaît, arrête. Arrête de te mêler de ma vie, je suis parfaitement heureuse comme je suis. Très bien. Je me tais. Message reçu, 5 sur 5. Je te remercie. Allez, va t'amuser un peu. Que je t'avais dit. Non, ça fait vraiment longtemps. En fait, on se connaît depuis l'école. Faut bien l'admettre, c'est sympa d'avoir quelqu'un avec qui danser de temps en temps. C'est une invitation. Salut, cousine. Salut. Écoute, un des amis de Tom a très envie de faire ta connaissance. Celui qui discute avec ma mère, j'imagine. Tu m'as démasqué. Oui. C'est le moment où je me sauve. Sauve-toi. Merci beaucoup. Oh, j'ai pas dû être assez claire quand je t'ai dit que j'étais parfaitement heureuse comme ça. Je suis simplement venue te dire que les tartelettes étaient un pur délice. Comme tout le repas d'ailleurs. Je ne parlerai même pas de l'ami de Tom, qui est sans attache et vraiment gentil. Je parlerai pas de lui. Ni du fait qu'il adore les chiens et qu'il a un bateau à voile. Ça, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Précise. Le beau sourire de ma fille. Alors, Peter Bloom? Tu es infatigable. Et moi, je suis là, debout au milieu de la salle d'audience. Tous les yeux sont braqués sur moi. Et tout d'un coup, je comprends... vous vous en voulez encore un petit peu? Parce non, que j'ai va. Tout un tas de choses à célébrer, moi, ce soir. Enfin bref, c'est là que je comprends que ce que j'ai en face de moi, c'est pas seulement un principe de droit fondamental, mais c'est incontestablement une rupture de contrat. J'ai gagné le procès, cela va sans dire. Génial. Mon but, c'est d'ouvrir mon propre cabinet avant mes 40 ans. Et moi, Peter, mon but, c'est d'aller dormir. Je suis désolée, ce matin, j'étais debout aux aurores, alors. Ouais. Bon. S'il vous plaît, l'addition en remballe. Je rêve. Ah, c'était atroce. T'as vraiment pas été inspiré sur ce coup-là. Il faut peut-être que tu lui laisses une seconde chance. Il a renvoyé son hors-d'œuvre 2 fois. Il a fait que parler de lui en hurlant comme s'il était seul dans la pièce. La prochaine fois, je choisirai mieux. Je ferai une enquête beaucoup plus approfondie. Non, non, y aura pas de prochaine fois. Pas de prochaine fois. C'est terminé. On arrête. Là, c'était la goutte d'eau. Je te l'ai dit. Je le saurai quand je rencontrerai la bonne personne. Je veux que tu me promettes que c'est terminé. Maman, tu m'écoutes ou pas? D'accord, comme tu voudras. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. Laisse-la donc faire ce qu'elle veut. Elle a le temps de rencontrer le bon. Elle n'a pas besoin de toi. Oui, bah, j'espère qu'elle le fera de mon vivant. C'est peut-être sa dernière rupture qu'elle a du mal à encaisser. Il va bien falloir qu'elle s'en remette un jour. Qu'elle tourne la page. C'est peut-être à toi de tourner la page, ma chérie. Il faut qu'on prenne nos billets. Oui, je sais bien. C'est quoi cette réticence? Ça fait des années qu'on planifie ce nouveau chapitre qui s'ouvre. Notre grande aventure en Italie, rien que pour nous deux. Oui, peut-être, mais moi je suis bien comme ça. Je suis pas prête à la tourner, cette page. Qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux? La moitié de l'année ici, l'autre ailleurs. Oui, sans doute. Arrête de te poser des questions. Et... lance-toi avec moi. J'en ai très envie, Sam, je t'assure, c'est l'idée de la retraite. Ça me déprime. Et pense pas que c'est la retraite, pense que qu'on part 6 mois en vacances, c'est tout. Oui, mais ça reste quand même une étape. En d'autres termes, on vieillit, c'est tout. Je me sens jeune, j'ai l'impression d'avoir toujours 23 ans. Ben alors, t'as qu'à être jeune en Italie. Et si tu veux travailler pendant les 6 mois où on est à la maison, c'est toujours possible. C'est vrai. On a encore tout un tas de belles années devant nous.
et en continuant à manger du brocoli. On va être centenaire si ça se trouve. Marché conclu. Mais essaie de comprendre que j'ai besoin d'un peu de temps pour me faire à cette idée. C'est noté. Merci. Si je persiste à me lancer dans ce projet à reculons, ton père va partir tout seul et ce sera ma faute. Mais qu'est-ce qui te fait si peur? J'en sais rien. Dire adieu à mon train-train quotidien? Être loin de toi? Finalement, qu'est-ce que je suis, à part ta mère? Ah, je dois vraiment avoir une faible estime de moi-même. Ou peut-être que je suis folle. C'est maintenant que tu t'en rends compte? Oh, regarde ça. Deux articles en solde sur deux rayons différents. Est-ce que ce petit haut ne va pas à merveille avec cette jupe? Wow, c'est vrai que t'as l'œil. Toujours quand il s'agit de ma fille. Tu vois, si j'avais été en Italie, ces deux articles ne se seraient jamais rencontrés. Oui, c'est pas faux. Pas mal. Ouh, pour ton prochain rendez-vous galant. Ne commence pas. Je suis désolée pour Peter, il avait pourtant l'air parfait sur le papier. Oui, sur le papier seulement. Donne-moi ça, je te les offre. Je comprends pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Il faut peut-être que je peaufine ma technique, que je perfectionne mon écran radar. Maman, arrête pas d'écran radar, tu laisses tomber. On va pas recommencer avec ça, le sujet est clos. Très bien, j'arrête, c'est promis. Bonjour. Four à chaleur tournante, 4397 $. 80% de réduction. Toi, je te veux. Plus de 21 millions de rencontres sur Destin Croisé. Claire, 33 ans, recherche homme. Nouveau message. David, avocat, je suis très impatient de vous rencontrer jeudi. Répondre. Désolée, je vais devoir... Ma mère m'a envoyé un message, elle nous a trouvé un plan traiteur. C'est pour un gala de charité dans une galerie d'art. Waouh! Elle te tape peut-être sur les nerfs, mais elle est redoutable en termes de business. Facile à dire, toi, elle essaie pas de contrôler toute ta vie. On peut peut-être en profiter pour distribuer des bons gratuits pour la pâtisserie. Super, on travaille gratuit maintenant. Non, au contraire, grâce à cette prestation, on va pouvoir s'acheter un nouveau four. Il y a autre chose. Je sais qu'il y a peu de chances que ça fonctionne, mais je connais quelqu'un qui pourrait contacter ce critique gastronomique en ligne, tu sais, le gourmet ambulant. On peut peut-être essayer de le faire venir. Obtenir une bonne critique de lui, ce serait un peu comme gagner à la loterie si on résume hautement improbable, voire quasiment impossible. Fais-nous un peu confiance. Et sinon, dans un autre registre, nos factures de gaz s'accumulent. Génial. David? Madame? Je suis Helen Michaels, la mère de Claire Michaels. Il est arrivé quelque chose à Claire? Non, elle va très bien, je vous rassure. Elle ne sait même pas que nous sommes là. Vous allez trouver ça très drôle, j'en suis persuadée. C'est moi qui ai créé ce profil sur le site de rencontre. J'ai fait ça pour ma fille. Je voulais l'aider à rencontrer quelqu'un. On peut s'asseoir? Oui, si vous voulez, oui. Voilà, je me doute bien que cette situation doit vous sembler extrêmement incongrue. Oui, et le mot est faible. Oui, je m'en doute. En toute honnêteté, je ne suis pas censée faire ça, si je puis dire. Parce qu'entre nous, si ma fille savait que j'ai recommencé, mon Dieu... Attendez, vous avez fait ça avec d'autres avant moi? Seulement deux fois. Et ça n'a pas été très concluant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je l'ai rencardé avec des fils d'amis à moi, ou des cousins et des neveux d'amis, enfin, vous voyez. Oh, et au cas où vous vous poseriez la question, c'est bien sa photo que j'ai mise sur le profil. Excusez-moi, pourquoi vous me racontez tout ça? Oh. Eh bien, je ne sais pas, peut-être pour que vous sachiez... Écoutez, je crois qu'il vaut mieux que j'arrête les frais ici et que j'y aille. Oh, non, attendez. J'ai été ravie de vous rencontrer. Bonne chance pour trouver un prétendant à votre fille. Vous allez en avoir besoin. Tout ce que j'ai écrit à propos d'elle est vrai, je vous assure. Mais vous avez oublié de préciser que sa mère est folle. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. La soirée s'annonce mal. Oh,
vous avez tout entendu? Il faut dire qu'il n'y a pas grand monde. Vous croyez que le ridicule peut vraiment tuer? Si j'ai bien compris de quoi il retourne, vous vous êtes fait passer pour votre fille sur un site de rencontre. Oh oui. D'accord. Je serais horriblement humiliée à sa place. Mmh. Enfin, je suis sûre que vous aviez les meilleures intentions du monde. Ça, pour avoir des intentions, j'en ai. Vous permettez que je vous demande ce qui vous a poussé à faire ça? Je n'en ai strictement aucune idée, c'est ça le pire. Oh, enfin, mais pourquoi il a fallu que je vienne ici ce soir? J'avais promis à ma fille que j'arrêterais. Si elle devait la prendre, elle me renierait sur le champ. Si ça peut vous consoler, ça restera entre nous. Mmh. Elle est très jolie à propos. Je vous demande pardon? Votre fille, j'ai vu sa photo tout à l'heure quand vous l'avez montrée. Oh oui, c'est très gentil, merci. Au fait, je m'appelle Hélène, ravie de vous connaître. Enchantée, Eric Carlton. Et que faites-vous dans la vie, Eric? Je suis pédiatre. Vous êtes mariée? Non, Hélène, je ne le suis pas, mais il se trouve que j'attends quelqu'un. Ah. Et la voilà d'ailleurs. Bonsoir. Oh, Eric, désolée pour le retard. J'ai passé une de ces journées. T'as pu avoir une table? Ouais, elle sera bientôt prête. Ok. Alors, avant que j'oublie, il faut que je te dise, je peux pas venir à ce gala de charité à la galerie samedi, j'ai eu un imprévu. Oh, c'est pas grave. Ah, non, il va falloir que je réponde. J'ai un patient qui sort de salle d'opération, j'en ai pour 2 secondes. Oui, docteur, Dana Becker? Vas-y, je t'attends là. Laissez-moi deviner, premier rendez-vous galant? Deuxième. Ça ne durera pas. Je vous demande pardon. Bon, écoutez, je suis agent immobilier, je vends des propriétés depuis plus de 20 ans et je sais d'avance si un couple est fait pour durer. Il y a ceux qui ont ce respect, cette complicité dans le regard. Et ceux qui m'appellent pour revendre la maison quand ils se séparent. Vous et Madame Beauté Fatale là-bas, ça colle pas? Ok. Non, je m'arrangerai. Tenez, je vous laisse ma carte. Au cas où vous auriez besoin de mes services. D'accord, merci. À plus tard. C'était qui, cette femme? C'était un agent immobilier. Oh. Elle cherche des clients, j'imagine. Oh, franchement, ça a été l'horreur aujourd'hui. J'ai eu des opérations les unes à la suite des autres pendant environ 6 heures. Et en plus de ça, figure-toi qui m'aime. Bonjour, je viens voir le docteur Carlton. Et qui est le patient? Il n'y a pas de patient. Oh. Je suis là pour raison personnelle. D'accord. Si vous pouviez lui dire qu'Hélène est là, Hélène Michaels. Et dites, vous seriez pas agent immobilier? Si. Je suis Donna Stampton. C'est vous qui m'avez trouvé ma maison. Ça alors? C'était il y a bien longtemps. C'est grâce à vous qu'on a eu notre prêt. Même la compte était au-dessus de nos moyens. Oh, vous parlez d'une coïncidence. On y habite toujours. C'est du côté de Kirkland. Voilà qui illumine ma journée. Donna, je peux te demander... Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Oh, oui, vous êtes madame... Hélène Michaels. Oui, l'agent immobilier, ça y est, ça me revient. J'ai repensé à la discussion que nous avons eue l'autre soir et j'espérais que peut-être je pourrais vous offrir un petit café. Hélène et moi, on se connaît bien, elle m'a vendu ma maison. C'est fou ça. Justement, il y a un petit café très sympa juste au bout de la rue. Vas-y, va le voir. Docteur Eric, vous voulez bien signer mon plâtre? Oh, bien sûr, mon bonhomme. Viens par là. Alors, fais voir un peu. Ça, c'est toi en train de faire un home run et de gagner le match. Mais, en fait, je joue pas au baseball. Oh. Ah, d'accord. Et tu fais quoi comme sport? Aucun, je suis fan de science. Bah, t'as bien raison, moi aussi j'étais fan de science. Bon, alors ça, c'est toi en train de gagner le prix Nobel pour avoir trouvé le remède contre les bras cassés. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est trop cool! Oh non. Quoi? Oh, j'ai l'impression que t'as un petit bobo derrière l'oreille. Attends, fais voir. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Et voilà. Oh, merci! De rien, allez, file. Oh, trop bien. C'était très mignon tout ça. Ouais. Alors c'est oui, je vous offre un petit café. J'ai une proposition à vous faire et si vous n'êtes pas intéressé, vous n'entendrez plus parler de moi. Vous n'aurez pas à le regretter. Je confirme. Fais-lui confiance. Elle va te trouver une maison en moins de 2. Bon d'accord, on va dire que je vous retrouve là-bas dans un quart d'heure, mais pour 5 minutes, pas plus. Parfait, je vous attends là-bas. C'est au bout de la rue, c'est ça? Oui, au bout, c'est ça. Alors comme ça, tu t'intéresses aux femmes mariées plus âgées que toi maintenant? Non. Commence pas à te faire des films, elle est agent immobilier. Je l'ai rencontrée hier soir, elle cherche sûrement un nouveau client, rien de plus. Je suis une tombe, tu peux compter sur moi. Un latte et un...
Désolé pour le retard, j'ai eu un petit contretemps avec un bébé qui avait la colique et une mère en manque de sommeil. Claire a eu la colique. Oui, merci. Elle en est débarrassée maintenant. Excusez-moi, je suis un peu sur les nerfs, il faut dire que c'est mon troisième café. Très bien, ne perdons pas de temps alors. Je crois que vous devriez rencontrer ma fille. Si ma mémoire est bonne, vous n'êtes pas censé marcher sur des œufs avec elle. Elle s'appelle Claire. Vous m'avez dit qu'elle allait vous renier si vous n'arrêtiez pas. Non. Je veux dire, pourquoi vous vous acharnez? Eh bien, tout d'abord, je pense que vous iriez très bien ensemble. Et ensuite, Claire n'a aucun besoin de savoir que je suis mêlée à tout ça. Et vous ne m'aviez pas dit que ça resterait entre nous? Si, mais ça, c'est quand j'étais pas directement impliquée. C'est là que c'est intéressant, justement. C'est moi qui n'ai plus à être impliquée. Comment vous pourriez ne pas être impliquée puisque c'est vous qui êtes derrière tout ça? Oh, Dr. Carlton. Non, Eric. Tout ce que je vous demande, c'est de vous arranger pour la croisée. Vous verrez. J'ai le nez pour ces choses-là. Oui. Vous savez, je vous ai vu à l'œuvre l'autre soir et je dois dire que j'ai assisté à des performances plus convaincantes. Oui, eh bien, on ne peut pas toujours viser en plein dans le mille. Mais là, je suis certaine de ne pas me tromper. Je sais que ça va marcher. D'accord. Vous avez réussi à aiguiser ma curiosité. C'est quoi votre plan? Voilà, l'autre soir, j'ai entendu que vous comptiez aller au gala de charité de la galerie d'art. J'en avais l'intention, mais plus maintenant, vu que Dana ne peut pas y aller. Maintenant, vous avez une autre raison de vous y rendre, parce que Claire y sera, ça tombe bien, non? Elle tient une pâtisserie. Elle et son associé doivent faire le service traiteur à cette occasion. Elle ne sera même pas au courant de votre visite, ou du fait que nous nous soyons rencontrés. Allez-y, faites sa connaissance. Et ensuite, vous déciderez. Je sais pas. Elle est drôle, tolérante, elle arrive même à me supporter. Je vous ai dit qu'elle était chef pâtissière, vous allez grossir, mais vous serez un homme comblé. Vous êtes infatigable, on vous l'a déjà dit. Écoutez, je suis pas en train de dire oui, mais je vais y réfléchir. D'accord. D'accord. Je comprends. Je veux quand même qu'on soit d'accord sur un détail. Lequel? Claire ne doit jamais être au courant de cet arrangement. C'est bien mieux pour elle si elle pense que vous vous êtes connus par hasard. Je suis pas très à l'aise à l'idée de mentir. Il ne s'agit pas de mentir, mais de simplement de ne pas le dire. Écoutez, allez à ce gala de charité, faites connaissance, et ce qui doit arriver arrivera. J'en sais rien. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très bien. Et elle est la personne la plus incroyable que je connaisse. Et je vous promets que je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai mise au monde. Laissez-moi y réfléchir. D'accord? Vous n'aurez pas à le regretter, je vous le promets. Au revoir, Hélène. Pour un four d'occasion, il est super. En plus, on a de la chance, il a très peu servi. Dommage que les clients ne soient pas fournis avec. Ma mère me dit qu'il faut qu'on leur en mette plein la vue au gala de charité. Je me disais qu'on pourrait faire des petits fours. Ok, mais dans ce cas, tu fais aussi un glaçage. D'accord. Et surtout, tu prévois des fraisiers. Et tes millefeuilles sont à tomber. Je veux bien t'aider à les préparer. Elle veut que je me fasse couper les cheveux pour le gala. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Rien. Mais tu connais ta mère, là. Salut. Alors, tu l'as rencontré comment, ton agent immobilier? Il se trouve qu'elle m'a abordé au caméléon pendant que j'attendais Dana. Oh oui, le docteur Baker. Ça avance avec elle? Ça t'intéresse pas, les filles belles et intelligentes? Bien sûr que ça m'intéresse, mais elle est pas très chaleureuse et elle n'a aucun sens de l'humour. Tu sais, l'humour, c'est très surfait. Alors, t'es intéressé? Quoi? Par la maison ou l'appart, je sais pas. Je ne compte pas acheter de maison et je ne sors pas avec l'agent immobilier. En fait, elle essaie juste de... Elle essaie de me caser. Et elle veut que je rencontre sa fille. Moi, j'ai jamais regretté de m'en être remise à cette femme. Je dirais qu'il faut que tu l'écoutes. Ouais, pas sûr. Méfie-toi quand même. Si la fille est comme la mère, elle est peut-être sérieusement atteinte. Je sais pas, ça a l'air d'être une fille bien d'après sa description. Franchement, non, fais pas ça. C'est une mauvaise idée. Dixit, celui qui a offert un mixeur à sa femme pour leur anniversaire. C'était pas n'importe quoi, c'est la crème des mixeurs. Écoutez, vous emballez pas, ça m'engage à rien. Mais je suis vraiment très touché de votre sollicitude. Merci. Quoi? Va être sublime avec ça pour le gala de charité demain soir. Elle est magnifique, mais je ne suis que le traiteur. Je ne suis pas censée être la reine de la soirée. Non, c'est un événement important et en plus de ça, elle était en solde. J'ai pas pu résister. Merci, mais vraiment, t'aurais pas dû. Oh, tu es ravissant. Alors, tu comptes porter quoi comme chaussures?
Je dois avoir des petites ballerines à bout ouvert. Oh non, elles sont bien trop classiques. Non, cette robe exige une nouvelle paire de chaussures. Peut-être, mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. Je ne veux rien entendre. Mes compliments, c'est un vrai délice. Oui, c'est magnifique. Alors là, c'est très organique. Je connaissais pas ces artistes. Il y a plus aucun enjeu. Pas seulement une peinture. Moi, j'étais déjà venu une ou deux fois. Et d'ailleurs, il y a les choses très intéressantes, très engagées. C'est très important d'explorer l'art. Ces petits fous. Oui, ça lance. C'est ce qu'il faut. Voilà, ça. Ça lance. J'ai l'impression que tout le monde ici n'en a que pour vos desserts. Ah. D'ailleurs, c'est mon dernier. Il faut vraiment que je me calme. Ravi que ça vous plaise. À propos de ça, j'ai un restaurant. On en reparle, d'accord? Bonsoir. Eric. Claire. Enchantée. Moi aussi. Vous passez une bonne soirée. Ces desserts sont tout simplement incroyables. Vous en avez d'autres comme ça? Oui, dans mon restaurant, dans le centre. Ah oui, c'est vrai ça. Et comment ça s'appelle? Ça s'appelle Aux douceurs du palais. Très joli comme nom. Vous avez une carte? Eh bien oui, j'en ai juste là, figurez-vous. Non. Oh. Vous êtes au 326 Franklin Street. Je peux avoir aussi une carte? Tenez, prenez celle-là, il y en a d'autres. Ces petits fours ont un goût unique. Oui, j'utilise de l'extrait d'amande pour ajouter un peu d'amertume. Je dois dire que tous ces desserts sont exceptionnels. Il faudra que je passe chez vous un de ces jours. N'hésitez pas. Il faut que vous arrêtiez de me faire de la pub, j'ai quasiment plus de cartes. Bah tant mieux. J'espère quand même avoir droit à une petite compensation. Oui, bien sûr. Vous connaissez l'adresse. Passez quand vous voulez. Pâtisserie à volonté, offerte par la maison. Je vous remercie. Je vous en prie. Ça s'est calmé, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être... aller jeter un coup d'œil au tableau en bas. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un homme au visage jaune et déformé qui s'apprête à manger un poisson. Tout en étant au milieu d'une forêt en flammes. Il y a plein d'interprétations possibles, j'imagine. Ouais, c'est le principe de l'art. J'ai été debout toute la journée dans ces instruments de torture. Oh, quel bonheur. Je vous conseille d'enlever vos chaussures, vous aussi. Contempler de l'art pieds nus, ça n'a pas de prix. J'ai quand même une préférence pour les peintres qui nous parlent de la condition humaine. Du genre... Edward Hopper, Winslow Homer, Georgia O'Keeffe. Ces artistes qui vous font du bien et du mal à la fois. Et vous? Oh, moi, ça va vous paraître très ringard. Et puis, il faut dire que c'est pas le genre d'information que je divulgue au premier rendez-vous. C'est un peu présomptueux, ça. Vous trouvez? Je promets de pas vous juger. Norman Rockwell. J'aime sa façon de capturer l'enfance. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'adore la façon dont il arrive à capturer l'innocence. On va fermer. Merci pour tout, on fera un nouveau appel à vous. C'était un vrai régal. Tant mieux. Elle a ouvert son restaurant dans le centre. Je ne manquerai pas d'y passer. 326 Franklin. Saluez votre mère pour moi. Ce sera fait. C'est ma mère qui nous a mis en contact. Allez, il faut que j'aille ranger maintenant. Je peux vous donner un coup de main si vous voulez. Non, c'est pas la peine, ça va aller. Non, si, ça me fait plaisir. C'est vrai? Oui. D'accord.
d'accord. Merci beaucoup pour votre aide. Pas de problème. Et dites, vous en faites quoi de tous ces restes? Bah, malheureusement, ça se conserve pas très bien. Non, ne me dites pas que vous les jetez. C'est triste, mais souvent, on est obligé. Je connais quelqu'un qui serait ravi de pouvoir manger ces gâteaux. C'est peut-être pas très orthodoxe, mais ça en vaut la peine. Si ça se trouve, ce sera même le meilleur moment de votre soirée. Ça, je doute fort que ce soit possible, mais je veux bien faire un petit détour. D'accord, génial. Ok. Bonne nuit. J'y vais, je m'en charge. Bonsoir, Dr. Carlton. Bonsoir, Emily. Je te présente mon amie Claire. Bonsoir. Bonsoir. Je me suis fait piquer par une abeille et je suis allergique. J'ai enflé de partout. Oh. Oui, mais maintenant ça va beaucoup mieux, pas vrai? On t'a apporté des bonnes choses à manger. Pourquoi? Parce que t'as été très courageuse. Ah oui, c'est vrai? Oui. Maman dit que je suis un vrai petit diable. Tu es un petit diable très courageux. Tu veux goûter un petit gâteau? Tiens, prends celui que tu veux. Oh, très bon choix. C'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est moi. C'est très bon. Ah oui, tu trouves? Merci. De rien. Oh, alors ça, c'est trop gentil. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais si je t'en apportais d'autres demain? Ça te ferait plaisir? Ouais. Tu peux toujours finir celui-là en attendant. Si vous avez une petite faim, je vous en mets un de côté. Merci. Bonjour, ma chérie. Salut, maman. Mon amie à la galerie d'art m'a dit qu'elle était ravie du service traiteur. Ah, c'est gentil. Tu t'es bien amusée? Oui, jusqu'à ce que mes pieds me fassent tellement souffrir que j'ai dû enlever mes chaussures. J'étais là, me promener pieds nus dans la galerie, si tu m'avais vue. Et c'est tout? C'était ça le moment fort de ta soirée? Oui, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. C'est tout ce que tu viens de dire? J'ai pas eu de gros coup de cœur pour les œuvres d'art. Eh bien, tant mieux si ça s'est bien passé. Ça va peut-être vous ramener de nouveaux clients. Oui, peut-être, qui sait? Je suis au courant de rien. D'accord, d'accord, t'avais raison, elle me plaît. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Allez, raconte-nous tout. Oh, y a pas grand-chose à raconter. On s'est rencontrés à la galerie, on a fait connaissance, on a papoté un peu, et comme il restait des gâteaux, on les a apportés aux enfants à l'hôpital. Tout à fait mon genre de rancard. L'écoute pas, moi je trouve ça très romantique. Oui, ça l'était, figurez-vous. Et ça la dérange pas que ce soit sa mère qui choisisse ses copains? C'est ça le problème. Disons qu'elle est pas au courant. Oh, oh oui, ça c'est un problème. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Alors, tu comptes faire quoi? J'en sais rien. Ça va peut-être s'arranger tout seul. Quoi? Ben voilà. Merci. Bonne nouvelle. Quoi? Hier, on a fait plus de bénéfices que de dépenses. Oh, c'est génial, ça. Mais pour la première fois depuis qu'on a ouvert, je me dis que finalement, on a peut-être une chance. Fais attention, tu passerais presque pour un optimiste. Si on continue à remplir la pâtisserie comme on l'a fait ces deux ou trois derniers jours, je veux bien passer pour tout ce que tu voudras. Et en parlant de clients, c'est moi qui me fais des idées ou notre resto est devenu le QG de la communauté médicale? Oui, moi aussi j'ai remarqué, c'est Eric. Je crois qu'il nous fait de la pub auprès de tous ses collègues, c'est mignon, hein? Il te plaît, celui-là, hein? J'en sais rien. Oui, peut-être qu'il me plaît. C'était tellement romantique, la façon dont on s'est rencontrés, mais on apprend tout juste à se connaître, alors on verra. J'arrive pas à croire qu'Hélène n'ait rien à voir dans cette histoire. Oui, je sais, c'est à peine croyable, elle va me tuer quand elle va l'apprendre. Attends, tu lui as pas encore dit, tu rigoles, là? Non, je suis pas folle non plus, tu la connais. Et puis je suis contente que lui et moi, on se soit rencontrés par hasard. Alors, pour l'instant, c'est mon petit secret. Allez, viens, le devoir nous attend. Tiens, tiens, vous ici. Ouais, drôle de coïncidence. Excusez-moi, j'étais dans le quartier et j'avoue que... il fallait que je sache comment ça s'était passé avec Claire. Elle ne m'en a pas parlé, je peux pas lui demander à elle. Écoutez, il faut que vous arrêtiez ça. Oui, c'est promis, je vais arrêter. Dites-moi juste ce qui s'est passé. Elle me plaît. Non, je le savais. Ça a marché entre vous? Ouais, en tout cas, en ce qui me concerne. Ah. Alors, quel est le problème? Je peux être honnête? Sa mère. Vous avez raison, c'est vrai. Je me sauve. Vous ne m'avez pas vue. Je comprends. Nous n'avons jamais eu cette conversation. Je suis sérieux, Hélène. Vous devriez l'appeler. C'est vous le problème. Oui, oui, au revoir. N'oubliez pas de l'appeler. We may never pass this way again. Never. Sincèrement, c'est le meilleur burger que j'ai jamais mangé, aussi le plus gras. Comment vous avez eu cette adresse?
La fille du gérant était une de mes patientes à l'hôpital. Il a insisté pour que je vienne goûter un de ses burgers et depuis, je suis complètement accro. Il faut que je vous demande parce que ça m'intrigue. Pourquoi la pédiatrie? Ben, je crois que c'est parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis tout petit. Et vous? Pourquoi chef pâtissière? Quand j'étais petite, ma mère me laissait l'aider à préparer le dîner. Les desserts, c'était de loin ce que je préférais faire. Et les cookies sont devenus des brownies, les brownies sont devenus des cupcakes. Les cupcakes ont fait place aux tartes et ainsi de suite, jusqu'à ce que la cuisine devienne mon endroit préféré. Je crois que ces moments-là font partie de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Je sais que c'est que de la pâtisserie, mais pour moi, c'est comme une forme d'expression. Ouais. Eh ben, je suis pas un expert, mais en tout cas, je peux vous dire que vous avez un vrai talent. Merci. Et l'idée du restaurant, comment ça vous est venue? En fait, je cherchais à louer un fonds de commerce et Marco, mon associé, est venu en visiter un en même temps que moi. On pouvait se le permettre ni l'un ni l'autre, alors on s'est dit que l'union faisait la force. Il faut croire qu'on était fait pour se rencontrer. Ou alors, vous êtes bien tombés. C'est un peu comme pour nous. Peut-être que si vous n'étiez pas venu à la galerie, on se serait jamais rencontrés. Et je serais pas en train de manger le meilleur burger et le plus gras de ma vie. Je peux vous poser une question très sérieuse? Oui. Ça vous dit de commander plus de frites? Seulement si on commande deux autres milkshakes. C'est honnête comme plan. Ouais. Je dois dire que je passe un très bon moment avec vous, docteur. Et je passe un très bon moment avec vous, chef. Vous faites quoi vendredi soir? Je sais pas, à vous de me le dire. Telling me that this was love at last. Eureka! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas encore officiel, ni encore confirmé, mais d'après mes sources, le gourmet ambulant va nous faire l'honneur de sa présence. On va l'avoir, notre critique, alors? Eh ben oui, avec un peu de chance, on devrait l'avoir. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir quand, et on ne sait même pas de quoi il a l'air. Il peut nous traîner dans la boue ou nous encenser sans qu'on ait remarqué qu'il était là. Il faut qu'on change notre menu. Il faut surtout qu'on remplisse la pâtisserie de clients satisfaits. Et peut-être que ton petit copain peut nous envoyer d'autres amis? Je fais que le fréquenter, je te signale. T'en as parlé à ta mère ou pas? Non, non, si elle l'apprend, elle va se mettre à chercher des noms pour ses petits-enfants. Ok, mais tu sais ce qui se passe quand tu lui caches des choses? Oui, je sais, merci, je la connais. Je déjeune chez elle tout à l'heure et elle va passer son temps à me cuisiner comme à son habitude. On va avoir notre critique! Yes. On va avoir notre critique! Maintenant. Alors, quand est-ce que vous partez? Dès que Amore Mio voudra bien choisir une date. Et si on tarde trop à prendre nos billets, tout notre itinéraire passe à la trappe. Notre tournée des restaurants italiens, tu veux dire? Vous êtes de vrais gourmets, tous les deux. Tu parles, je vais prendre au moins 10 kilos. Et à part ça, ce voyage, t'es contente de le faire? Honnêtement, il y a pire comme endroit pour passer ces vieux jours. Ces vieux jours, tu vois, qu'est-ce que je disais? On tient notre révérence, voilà. Coucou, désolée pour le retard. Salut. Marco et moi, on doit revoir tout notre menu pour la visite du gourmet ambulant. Il a intérêt à venir. Oh, sers-lui ton tiramisu, c'est le meilleur de la planète. Ah, c'est un tout petit peu excessif, mais j'apprécie ta confiance. T'en fais pas, ma puce. Les petites entreprises, ça démarre toujours doucement. Un peu de risotto aux champignons? Juste un petit peu. Il faut pas que je tarde trop. Mais ça sent tellement bon. Ah. Comment va ma nièce préférée? Oh, ça va très bien, oncle Arnie. Et toi, ça va? Oui. Merci, papa. Alors, Jill me dit que tu as rencontré un type bien. Oui, je voulais vous en parler, justement. C'est tout récent, donc tu t'emballes pas, d'accord? Il a un nom, ce monsieur? Oui, il en a un. Il s'appelle Eric Carlton et il est médecin. Un médecin? Quelle branche de la médecine? Il travaille en pédiatrie. Je vote pour David ou Diane pour votre premier enfant. Oh, cette blague, on s'en lassera jamais. Non. Hein. Oui, bah, peut-être que c'est pas une blague, cette fois. Je connais à peine. Mais le peu que tu connais, ça te plaît? Maman, j'ai dit du calme. Tu l'as jamais vu et t'es déjà en train de t'en mêler. T'as raison. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on va pas en faire un drame. Quelqu'un veut encore du risotto? Là, c'était un peu trop détaché. Trop excessif, trop détaché, il faut savoir ce que tu veux. Entre les deux, ce serait bien, peut-être. Bon. Appelle ton premier enfant comme il te plaira. Je te remercie. Et elle est extra avec les enfants. Parce qu'elle a donné un gâteau à ta patiente? Ouais. Le problème, c'est que je sais toujours pas comment régler cette histoire avec sa mère. Alors là, je te souhaite bon courage. Elle a l'air complètement obsessionnelle. Ah, c'est pas gagné. Mais elle me plaît vraiment, cette fille. Fais attention. Tu manges trop de gâteaux, ça t'embrouille les idées. C'est ça. C'est peut-être lui, là. Regarde, qu'est-ce que t'en penses avec ses lunettes haut de gamme? Non, il a rendez-vous avec quelqu'un. Racontez l'horreur. Avec un cappuccino, s'il te plaît. Oh, alors lui, là, il a bien une tête de critique avec son air réprobateur. Regarde, c'est papa. Un critique qui retrouve sa femme et son bébé, je crois pas, non? Alors cet entretien, ça a été... Oui, je suis content. Tant mieux. Pourquoi pas elle, là?
elle. Oh non, elle vient à la même heure tous les matins et elle prend toujours un double macchiato et un scone au myrtille, tu plaisantes? Attends, c'est des choses. C'était super bon, je me suis régalé. Je suis fan du pain aux olives en particulier. Merci, c'est gentil. Sérieusement, j'ai vraiment trouvé ça bon. Merci beaucoup d'être venu. De rien. C'est peut-être lui le gourmet ambulant. Ça pourrait. Merci d'envoyer tous tes amis ici. C'est adorable de ta part. Merci à toi. Parle-moi de ta famille un peu. Tes parents habitent ici? Connecticut. Sinon, je te les aurais envoyés aussi, tu t'en doutes? T'as grandi là-bas? Ouais, quand j'ai eu 3 ans, on s'est installé à Stanford où mon père a fait son internat. Il est cardiologue. Ah. Avec ça, on pouvait être sûr que mon chemin était tout tracé. Et ton père, il fait quoi? Il était conseiller financier. Ma mère sera bientôt à la retraite et lui y est déjà. Il s'apprête à partir en voyage en Italie. Ils se sont connus dans une librairie quand ils faisaient leurs études. Il n'y avait plus qu'un exemplaire de chambre avec vue, ça se passe en Italie. Ils en avaient tous les deux besoin pour leurs examens, alors ils ont décidé de le partager. Et avant même de l'avoir terminé, ils étaient tombés amoureux. Oh, c'est une très belle histoire. Oui. Tu te rends compte que s'il y avait eu plus d'un exemplaire, je ne serais pas là aujourd'hui. Je crois que tu devrais retrouver ce libraire et lui envoyer tes meilleures pâtisseries. C'est la moindre des choses. Oui, je devrais peut-être faire ça. Puisqu'on parle de parents, les miens voudraient te rencontrer, si tu es d'accord. Génial. Ça me ferait très plaisir. Eh ben, c'est parfait. Je suis vraiment pas présentable. Je dois être couverte de farine. Non, non. Non, t'es parfaite comme tu es. Je sais pas si je t'ai parlé de la première fois où j'ai mangé un éclair au chocolat. J'avais 5 ans et j'étais persuadée que le serveur avait dit clair au lieu d'éclair. Je croyais qu'il avait appelé le dessert comme moi. Que ça s'appelait clair au chocolat. Je peux goûter? Oh, bonjour. Quelle bonne surprise. Il faut que je vous voie tout de suite. Tout de suite? Bien sûr. Quelque chose ne va pas? Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a un problème. Ah bon? Mais je pensais que tout se passait à merveille. Justement, c'est ça le problème. Je peux très bien vous faire visiter la maison ce soir, quand vous sortez du travail. Claire est à côté de vous, c'est ça? Pas exactement, non. M'attends pas, je descends dans une minute, Sam. C'est votre mari? Voilà. On peut se retrouver au caméléon? 19h, oui, c'est parfait. D'accord, je croyais qu'on devait aller dîner. C'est juste une toute petite visite, ça ne devrait pas être long. Je te retrouve au restaurant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je craque pour votre fille. Oh. Et c'est un problème parce que... Parce que à chaque fois qu'elle me parle de vous et de la façon dont elle m'a rencontré, je suis obligé de mentir. Elle pense que c'est une histoire de destin. Ça m'étonne pas d'elle. Il faut qu'on lui dise la vérité. Très bien, mais pitié, laissez-moi m'en charger, sinon elle ne me le pardonnera jamais. D'accord, mais il faut le faire très vite. Parce que plus vous attendrez, plus le mensonge prendra de l'ampleur et ça va tout gâcher sans qu'aucun de nous puisse rattraper le coup. Oh, eh ben, le gourmet ambulant n'y va pas avec le dos de la cuillère. Écoute ça, c'est une critique qu'il a faite sur le resto Étoile de Danse. J'ai eu la mauvaise idée de commander une truite amandine sèche comme du pain dur. Oh non, je connais le cuistot, le pauvre, il mérite pas ça. Attends, c'est pas fini. Le foie gras était à l'image de l'ambiance du lieu, c'est-à-dire froid, insipide et sans panache. Oh. Marco, j'ai peur que ça se retourne contre nous. Il faut peut-être qu'on revoie l'éclairage. Qu'on mette des bouquets de fleurs ou de belles nappes blanches. J'en fais des cauchemars. Je vois ce type qui se pointe ici et qui nous fait mettre la clé sous la porte. Imagine que ça marche. Imagine qu'il se pointe et qu'il nous fasse une bonne critique. Ça peut tout changer. Ouais, mais faut pas qu'on se plante, hein. Ça passe ou ça casse. Je dis qu'il faut qu'on relouque le restaurant pour qu'il soit comme neuf quand il viendra. Je savais que j'aurais dû être pompier. Salut, maman. Salut, Trésor. Est-ce que je peux te rappeler? Je suis un peu occupée, là. T'as pas une minute? Il faut qu'on discute. Oui, mais pas maintenant. J'ai plein de choses à faire pour le resto, notamment du shopping. Je peux venir avec toi si tu veux. De quoi tu as besoin? De panache. Je te rejoins tout de suite. Je
Je vais retrouver Claire pour faire du shopping. On devait aller à l'agence de voyage aujourd'hui. Ah, oh, on peut y aller plus tard. Non, tu rigoles. Oh, fais pas ta mauvaise tête. Claire a besoin de moi. Écoute, elle peut faire son shopping toute seule, c'est une grande fille. C'est pas seulement pour ça. Toutes les deux, il faut qu'on discute. Discuter de quoi ? Eh bien, de ce médecin qu'elle fréquente. Oh. On va juste papoter entre filles. Commence pas à te mêler de ça, Hélène. Justement, j'arrête de me mêler de ses affaires. C'est ce que je compte lui dire, d'ailleurs. Elle sait que sa mère l'aime très fort. Elle a pas besoin d'en savoir plus. Ce serait parfait, ça, pour servir tes pâtisseries. Ah, oh, ils sont à moitié prix. Prenons les deux. Ouais. Oh, regarde cette nappe. Oh, oh. Oh oui, très jolie. Chérie, voilà, il y a une chose dont j'aimerais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ça concerne ce médecin avec qui tu sors. Eric, c'est sûr qu'il va te plaire. Il est gentil, il est honnête. J'ai vraiment l'impression que je peux lui faire confiance. Et je sais pas si je te l'ai dit, mais il est craquant en plus. Notre rencontre était tellement romantique. C'était un peu comme toi et papa. Il y avait pourtant un monde fou dans cette galerie. Et je sais pas, on s'est trouvés. Comme si nos chemins devaient se croiser. Ah, oh, à ce prix-là, c'est quasiment donné. Ce serait peut-être joli d'en mettre un sur chaque table avec un bouquet de fleurs. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense? Je pense qu'à partir de maintenant, tu devrais prendre tes décisions toute seule. Tu sais, c'est juste un vase. Quand il s'agit pas de ma vie amoureuse, j'aime bien que tu me donnes ton avis, maman. Hélène est en train d'appeler Claire pour tout lui dire. Quoi? Non mais attends, tu crois pas que c'est un peu tard pour ça? Ouais, c'est possible. Au départ, je voulais lui dire moi-même, mais Hélène a insisté pour le faire. Alors. Elle a raison. Faut jamais se mettre entre une mère et sa fille. Exact. Mais j'avoue que j'ai quand même hâte qu'elle me rappelle. Qui? Hélène ou Claire? À ce stade, sincèrement, que ce soit l'une ou l'autre, ça m'est égal. Cela dit, si ça doit capoter avec Claire, t'as toujours la charmante Dana Baker qui attend que tu la rappelles. Elle m'a demandé des nouvelles quand je l'ai croisée dans l'ascenseur. Je crois que t'es à côté de la plaque. Il est amoureux de Claire. Attends, c'est vrai, t'es déjà amoureux? Et j'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que je veux pas la perdre. Ouais, surtout pas. Il faut que je l'appelle, c'est ça? Oh. Non! Si! Alors, amore mio, on va commencer par Venise, ensuite on descend en Toscane, molto romantico. Si. On s'arrête à Pise, puis à Florence. Come stai? Comment vas-tu? Peu importe. Ça s'est bien passé avec Claire? Oui, ça va. Ça va, c'est tout. J'avais tellement de choses à lui dire et j'ai pas réussi à trouver les mots. Hmm. Et maintenant, il est peut-être trop tard. Comment ça? Eh bien, je veux dire, si on part, si on fait ce voyage. Si on fait ce voyage, c'est devenu un si maintenant? Écoute, j'ai pas du tout la tête à ça. Tu veux bien qu'on en reparle à un autre moment? Tu sais, si partir en Italie, ça doit te rendre si malheureuse. Autant ne pas y aller. C'est pas du tout ce que je veux dire. Moi, je voulais te rendre heureuse, rien de plus. Et là, j'ai l'impression de plus trop savoir comment. Si t'as une idée, tiens-moi au courant. Ça... Non, ça suffit, on arrête là pour les projets. L'Italie sera toujours là l'an prochain. C'est pour nous deux que je m'inquiète. Bonsoir, qu'est-ce qui t'amène? J'avais envie de te voir, c'est tout. Ah, ben je suis là. Ouais. Je t'en prie. J'ai essayé de t'appeler tout à l'heure. Ah oui, j'avais plus de batterie. Ça a dû passer directement sur la messagerie. Ouais. Je voulais surtout savoir comment ça allait. Je suis fatiguée. Je veux dire, comment tu te sens à propos de nous? Je sais pas quoi répondre à ça. Réponds sincèrement. Là, j'avoue que je suis un peu perdue. Ouais, c'est pas étonnant. Toi aussi, t'es un peu perdue? Non, je suis soucieux. Ah bon, pourquoi? Désolé. Et sinon, alors, ça a été ta journée? Oh, j'ai lu une critique épouvantable sur un autre resto, alors j'ai décidé qu'on allait refaire un peu la déco et j'ai fait du shopping avec ma mère. D'accord. Et comment
ça s'est passé avec elle? Très bien. Ah, ben c'est génial. Ma mère et moi, on fait tout le temps du shopping toutes les deux. Oui, mais tu me dis que ça s'est très bien passé. Ouais. Oui, j'ai trouvé deux très belles nappes et un plateau pour les pâtisseries. Et t'es pas en colère? Non, absolument pas. Elles étaient à moitié prix. Ah, et en passant, figure-toi que je lui ai parlé de nous deux et de la façon dont on s'est rencontrés. Et maintenant, mes parents ont hâte de faire ta connaissance. C'est génial. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce week-end? Va pour ce week-end. Oui. Parfait. Ok. J'ai hâte. Hélène, Eric à l'appareil. Je suis désolée. Je n'ai pas pu obtenir la signature du contrat. Alors vous n'avez fait que du shopping? C'est exact. Merci de votre compréhension. Non, j'ai pas dit que je comprenais. Non, vous avez raison. Attendez, je comprends plus rien. Vous parlez en langage codé ou pas? Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'on se voit. D'accord, envoyez-moi un texto pour me dire où et quand, merci. J'apprécie que vous me donniez une seconde chance pour vous trouver un bien immobilier. Mais je vais courir, hein? Il va courir maintenant. Oh là là. Et voilà, le croissant. Voilà les desserts. Et le tiramisu. Merci. Je vous en prie. Autre chose? Non, ça ira, merci. Ça a l'air délicieux. Ah, c'est pas vrai. Ça a l'air. J'en sais rien. Moi, je vais pas en avoir assez. Tu crois que c'est lui? Aucune idée, je vois des critiques gastronomiques partout maintenant. Ok, je vais m'en charger. Vas-y. Bonjour, monsieur. Bienvenue aux douceurs du palais. Au menu d'aujourd'hui, nous avons du brie aux fruits rouges, accompagné de pain frais au romarin, des scones maison au coulis de framboise et bien sûr nos tartelettes citron vert noix de coco. Pourquoi? Bien sûr. Eh bien parce que la tartelette citron vert coco fait partie de nos desserts les plus demandés, donc bien sûr elle est proposée dans le menu du jour. Très bien, je vous appelle dès que j'ai choisi. D'accord, je vous laisse. Prenez votre temps surtout. Je fais n'importe quoi. Voilà, ce sera tout. Marco, il a mangé son croissant jusqu'à la dernière miette. Il a mangé son scone aussi. Tu crois qu'il faut que je propose autre chose? Non, sinon il va tout de suite se douter qu'on sait que c'est lui. Il vaut mieux le laisser boire son café tranquillement. Oui, t'as raison. J'étais coincée dans les bouchons. Mais c'est qui celle-là? J'en sais rien, elle fait peut-être partie de son plan. Va vérifier, vas-y. Allez, hop, hop, hop. Ça a été ta matinée? Oui, c'est fou ce que c'était cap ce matin. Bonjour, vous voulez commander autre chose? Vous devez être Claire. Oui, c'est exact. Ah, je suis la secrétaire médicale d'Eric. Il m'a conseillé de venir ici avec mon mari. Ah, oh, je vois. Vous n'êtes pas le gourmet ambulant? Qui ça? Non, je suis comptable. Ah bah là, on peut dire que c'est gagné. Veuillez m'excuser. En cuisine, allez, oust! Les plats sont bons, mais le service est très particulier. Maman, s'il te plaît. D'accord. Je reviens tout de suite. Il ne lui a encore rien dit, on dirait. Attends, qui n'a rien dit à qui? J'avais complètement oublié que j'avais une visite. Comme tu veux, mais on peut s'appeler plus tard. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui, laquelle? J'ai discuté avec Eric, il est d'accord pour vous rencontrer ce week-end. Ce week-end? Je croyais que tu serais contente. Je le suis, ma chérie, je suis très très contente. Il faut que je me sauve. Ok. Non. Pourquoi vous lui avez pas dit? J'ai essayé, mais elle n'arrêtait pas de parler de vous et de combien vous la rendiez heureuse. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire. Oui, je m'en doute, ou mais... le courage, comme vous préférez. Sauf que plus le temps passe... Oui, je sais, je sais. Je suis allée à la pâtisserie aujourd'hui pour essayer de lui dire, mais... Donna, votre secrétaire, était là. Quoi? Oui. Elle a dit quelque chose? J'en ai aucune idée. Dès que je l'ai vue, j'ai pris mes clics et mes claques. Je sens que ça va mal se terminer. Et voilà. À force de me mêler sans arrêt de ses affaires, j'ai fini par tout gâcher. Non. Non, dites pas ça. Sans votre intervention, j'aurais jamais rencontré Claire et rien que pour ça, ça valait le coup. Merci. Je vous avais bien dit que ça marcherait.
Salut. Salut, frangin. C'est beau. Bien essayé, Arnie. Non, c'est ridicule. J'ai commandé ça il y a un mois pour faire la surprise à Hélène. Ça semblait moins... imposant sur le site internet. Non, c'est joli. Ça va lui plaire. Ouais. Sam, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Je t'écoute. Voilà, j'étais en train de faire quelques courses dans le centre et j'ai... J'espère que je vais bien te le dire. J'ai vu Hélène se promener à Waterfront Park. Ouais, et alors? Elle était avec quelqu'un. Bah oui, peut-être. Elle a tout le temps rendez-vous avec des clients. Ça avait l'air d'être un peu plus qu'un client. Oh, Arnie, tu te fais des idées, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pris une photo avec mon portable. Je te l'ai imprimée. Je suis désolé, Sam, je... Écoute, je sais pas du tout qui est ce type. Mais tu peux me croire. Tu te fais des idées. T'en es certain? Oh, ça oui. Tant mieux. Mais je connais bien ma femme et je suis prêt à parier qu'elle mijote quelque chose. À quoi tu penses? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Allez. Georges, 33 ans, votre profil me plaît, j'aimerais vous rencontrer. Qu'est-ce? Neil, j'aime les sports d'hiver, surtout le ski. Mais ma vraie passion, c'est le football. Inimaginable. Sam, c'est moi, tu es là? J'ai acheté des filets de saumon. Je me disais qu'on pourrait faire une marinade à la moutarde. Apparemment, t'es pas d'humeur à manger du poisson. On a des choses à se dire. C'est à propos de l'Italie. L'Italie, c'est rien. Il y a beaucoup plus grave. Hein? De quoi tu parles? Eh bien, je parle de Georges et de Neil. Qui? Et de ce type de Waterfront Park. Faire ça à ta propre fille, tu te rends compte? Comment tu as eu ça? Arnie vous a vu. Et c'est qui celui-là? Eric Carlton. Le petit copain de Claire? Sam, si j'ai fait ça, c'était pour l'aider, rien de plus. Dis-lui, Hélène, sinon c'est moi qui le fais. J'ai contacté le dernier de ces types en me faisant passer pour Claire parce que je voulais lui trouver quelqu'un. Quand il a vu que j'étais sa mère, il s'est enfui en courant. Oui, pas étonnant. Eric était assis au bar et a assisté au spectacle. On s'est mis à papoter tous les deux et... Au bout de 10 minutes, je savais qu'il était fait pour Claire. Sur ce coup-là, tu as vraiment dépassé les bornes. Oui, je sais. Ils sont faits l'un pour l'autre et j'ai peut-être tout fichu en l'air. Il faut que tu le dises à Claire. Oh. Je suis sérieux, Hélène. Si tu le fais pas, moi, je le ferai. Et il faut que tu arrêtes avec cette nouvelle lubie de vouloir mettre tout le monde en couple. En fait, des couples, j'en forme depuis le jour de notre rencontre. De quoi tu parles? À la librairie, ce jour-là. Oui? En réalité, il y avait un autre exemplaire de chambre avec vue. Tu étais si gentil et je voulais absolument faire ta connaissance alors. J'ai caché l'autre exemplaire. Le souvenir le plus précieux que j'ai de nous deux est un mensonge. De mieux en mieux. Ça fait 34 ans que je garde ce secret pour moi, tu te rends compte? Pardon de ne pas sauter de joie à l'idée de t'enlever ce poids. Eh bien, elle est peut-être encore plus belle, cette histoire. J'ai eu le coup de foudre pour toi, j'ai pas voulu te laisser partir. Et regarde-nous maintenant. On a passé notre vie ensemble et on s'aime toujours. Tu diras ce que tu voudras de mes méthodes, mais je ne me trompe pas à chaque fois. Je doute que ta fille soit de cet avis. Tu sais, le jour où on s'est connus, t'avais pas besoin de provoquer le destin. Je t'aurais jamais laissé partir. Si tu pouvais faire un vœu devant cette fontaine, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir? Une femme honnête. C'est sorti un peu trop vite, ça. Et toi, alors? T'aurais un vœu à faire? Ah oui. 34 années de plus avec l'amour de ma vie.
Elle est beaucoup trop grande, cette fontaine. Eric, c'est moi. Sam est au courant. Quoi? Et maintenant, il veut tout dire à Claire. Je savais que ça finirait par arriver. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais on joue notre avenir avec cette critique. Écoute, on devrait peut-être accepter d'autres prestations traiteurs pour se maintenir à flot jusqu'à ce que le gourmet ambulant pointe le bout de son nez. Ou peut-être que ça ne sert à rien d'espérer parce qu'il viendra pas. Je compte sur le moral des troupes. C'est un ordre. Entendu, mon capitaine. Très bien. Je crois que les troupes vont rentrer se coucher. À demain matin. Bonne nuit. Flanche pas, d'accord? Je te laisserai pas flancher. Qui est là? C'est moi, Eric. Ah. Salut. Salut. Contente de voir que ça devient une habitude. Ouais, moi aussi. On a des millefeuilles ou des scones à la cerise, si tu veux. Pas maintenant. D'accord, tu veux qu'on passe les apporter aux enfants à l'hôpital? Pas ce soir. J'ai quelques affaires à prendre de l'autre côté. Tu m'accompagnes? Claire, y a quelque chose dont il faut que je te parle. Et voilà, ça recommence. Ça va encore nous coûter cher, ça. Oh. Écoute, voilà, en fait, je suis venue te dire que... Me dire quoi? C'est... à propos du soir où on s'est rencontrés. C'était vraiment romantique. Oui, c'était très romantique, mais... C'était pas par accident. T'es d'accord avec moi, alors? Comment ça, d'accord avec toi? Avec le fait que c'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre. Attends, je prends mon portable, il fait lampe de poche. Regarde. J'ai une bougie. C'est mieux. N'est-ce pas? Tiens, c'est merci. Pour toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, j'en sais rien, je suis que pédiatre. Et moi, je suis qu'une pâtissière. À l'évidence, ce sont deux métiers qui servent strictement à rien dans cette situation. Oh, bien sûr, le disjoncteur. Quoi? Où est-ce qu'il est? Il faut le remettre en marche. Oh, tu sais que t'es pas bête. Il paraît. Par là. Il n'y a plus de lumière non plus dans la cuisine. Il faut que je vérifie la chambre froide. Oh, il n'y a plus de courant nulle part. Tout va se perdre. J'appelle ma mère, elle connaît un bon électricien. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Allô? Non, ça va, c'est bon. Avant, c'est moi. T'appelles qui? Ma mère. T'es avec qui? Eric. Tu es avec Eric? Oui. Il y a une panne de courant à la pâtisserie. Oh non, je t'envoie mon électricien. Tout va bien? Non, je te dis qu'il n'y a plus de courant. Mais il n'y a rien d'autre qui va pas? Tu trouves que c'est pas suffisant? Sam, elle est avec Eric. Alors il lui a parlé de tes petites manigances? J'en ai pas l'impression. Peut-être que l'électricien pourra lui dire. C'est ça, rigole en plus. Va falloir réparer tes bêtises. Toi, pas Eric, c'est toi l'entremetteuse. Ouais, d'accord, ça va. Mais je sais pas comment m'y prendre. Quand lui dire ou comment lui dire. Ou plus important encore, tu comptes lui expliquer pourquoi t'as fait ça? Je suis pas sûre d'avoir envie de répondre. Sans doute parce que je préfère m'immiscer dans la vie de Claire plutôt que de m'occuper de la mienne. Eh ben voilà, dis-lui ça. C'est une bonne entrée en matière. Alors... L'électricien était top, ça lui a pris 4 heures, mais il a réussi à remettre le courant partout. Il a dit que c'était un problème de mauvais câblage. Eric lui a donné un coup de main. À propos d'Eric, justement... Tu sais quoi? Même après tout ça, il est retourné à l'hôpital pour soigner un petit garçon qui avait une otite. Chérie... J'aime sa passion pour son métier, j'aime ça. J'aime absolument tout chez cet homme. Salut, Trésor. Salut, ouais. Papa. Ta mère a une chose importante à te dire. Oui, mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de prendre un scone. J'ai réussi à les sauver hier soir pendant la panne. C'est ta récompense pour m'avoir trouvé cette perle rare. Quelle perle rare? Bah, l'électricien, qui tu veux que ce soit d'autre? Je vais tout lui dire, je te le promets. Attends un peu. Il faut que tu le fasses aujourd'hui. Je sais. Maman? Je peux savoir ce que c'est? Tu prenais contact avec des types en ligne que tu retrouvais dans des bars, et c'est comme ça que t'as trouvé Eric? Non, lui, je ne l'ai pas trouvé en ligne. Il... Ce soir-là, il avait rendez-vous avec quelqu'un. Tu veux dire qu'il a été témoin de tes frasques et que non seulement il s'est pas méfié, mais qu'en plus, il a accepté ton offre? C'est pas tout à fait ça. Et il a fallu le convaincre, alors je suis allée à l'hôpital et... Tu fais quoi? Non, je rêve. J'ai essayé de m'expliquer, oui. Et j'ai plus ou moins arrangé une rencontre entre vous deux à la galerie.
Mais je te jure que je n'avais pas planifié ce moment magique quand vous vous êtes vus pour la première fois. Ne me dis pas que t'étais là. Si. Oh. Ça non plus, tu ne me l'avais pas dit, j'étais pas au courant. C'est pas la faute d'Eric, mais la mienne. J'en reviens pas qu'il ait pu accepter un plan aussi tordu que ça. Il voulait t'en parler, je t'assure. Il a eu des tas d'occasions de le faire, il l'a pas fait. Il avait peur que tu te mettes en colère. Ah oui, je devrais pas? J'ai pas des raisons de l'être. Chérie, je te demande pardon, je suis vraiment désolée. Pas autant que moi. On peut mettre un écriteau sur la porte, fermé pour cause de chagrin d'amour. Non, ça va aller. Enfin, j'espère. C'est à ce point-là. J'en sais rien. Je crois qu'au fond, j'avais réussi à me convaincre que j'avais tout le temps devant moi pour rencontrer l'homme de mes rêves. Et soudain, il entre dans ma vie. Et le conte de fées commence, mais malheureusement, grosse révélation, il s'avère que c'est ma mère qui a orchestré tout ça, du début jusqu'à la fin. Ça aussi, il a fallu qu'elle me le vole. Et je crois que j'arriverai pas à lui pardonner cette fois. Qui est-ce? C'est Eric ou ta mère? Eric. Il va bien falloir que tu lui parles un jour ou l'autre. Pas ce soir. Pas avant que j'aie pris une décision. Écoute, je vais y aller. Tu veux que je te dépose? Non, ça ira. D'accord. À demain matin. Ouais. Il fallait que je te voie. J'ai une grosse journée qui m'attend. Je peux revenir ce soir? Non, c'est pas une bonne idée, non. J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. Oui, mais il va bien falloir qu'on en parle. J'ai même pas envie de parler à ma mère alors que c'est la personne dont je suis la plus proche. Et il m'arrive de me demander si c'est pas plutôt ma pire ennemie. D'accord, mais il me semble qu'on pourrait se donner une chance pour voir où ça nous mène. Pas toi? Je peux pas, je regrette. Non, je suis désolée. Claire, attends. Elle refuse de me parler. Ouais, moi aussi. On va faire un pacte. Le premier à qui elle pardonne doit la convaincre de pardonner à l'autre. Je crois que tous les deux, on ferait mieux d'arrêter de faire des pactes. Ouais, ouais, vous avez raison. Vous avez aucun souci à vous faire, vous. Elle vous pardonnera, vous êtes sa mère. Je sais exactement ce qu'elle ressent. Ma mère aussi me rendait complètement folle. Toujours en train de me dire ce qu'il fallait faire, toujours en train de planifier ma vie à ma place. Ça partait d'un bon sentiment. J'ai l'impression que vous ne faites que reproduire son comportement. Merci pour votre diagnostic, docteur. Des mères, j'en vois tout le temps, je sais de quoi je parle. Et la vôtre, elle est comment? Elle a une vraie force de caractère. Mm-hmm. Elle est... chaleuse. Mmh. Et vraiment très drôle. Oh. Ça me rappelle un peu quelqu'un. Ah. Ouais, c'est la troisième fois que je l'ai ici. J'ai jamais été déçu. Regarde celui-là avec son nœud papillon là-bas dans le coin. Oui, il a l'air arrogant, il correspond au profil. Essaie d'être super sympa avec lui surtout. Oui, j'ai tendance à envoyer balader les clients, c'est bien connu. Oh, ça va, t'as parfaitement compris ce que je voulais dire. Je l'ai déjà vue quelque part, elle. Tu veux manger ou tu prends juste un... Je crois que c'est une amie de ma mère. Ok, je m'en charge. Toi, tu t'occupes du nœud papillon. Et tu lui proposes quelque chose qui n'est pas sur le menu. D'accord. Que puis-je vous servir, madame?
Qu'est-ce que vous me conseillez ? Oh, eh bien, je ne peux que vous recommander vivement le croissant épinard prosciutto avec, en dessert, l'éclair au chocolat et je viens de faire cuire un pain aux olives dont vous me direz des nouvelles. Vous pourrez l'emporter chez vous. Très bien, alors. Je vais suivre ces instructions à la lettre. J'espère que je ne serai pas déçue. Vous ne le serez pas. Je vous apporte ça. Je vous laisse vous asseoir. Vous prendrez une pâtisserie ? Non, j'ai eu ce qu'il me fallait, merci. Comme vous voudrez. Je peux peut-être vous servir un autre café ? Non, j'ai terminé. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Alors tu penses que c'est lui ? Oui, le papillon arrogant, c'est lui, aucun doute. Merci. Claire est au courant que vous deviez venir ? Ah, j'ai bien peur que non. Elle est en cuisine. Merci. Merci, au revoir. Tu ne répondais pas au téléphone, alors je me suis dit que j'allais passer. Il te reste du gâteau aux amandes Nora ? Non, écoute, maman, c'est vraiment pas le moment, là. Désolée, chérie. Pardonne-moi, je t'en supplie. Laisse-moi vivre ma vie une bonne fois pour toutes. Oui, tu as raison, j'arrête. Tu m'as déjà dit ça 100 fois et ça n'a rien changé. Mais cette fois, c'est vrai, je te le promets. Plus de rendez-vous arrangés, plus d'intrusions, terminé, j'arrête. Mais je crois qu'Eric est parfait pour toi. Oh, tu viens de me faire une promesse il y a à peine 3 secondes et t'es déjà en train de me donner ton avis. Claire, excuse-moi, mais je crois à l'amour, je crois au bonheur conjugal et au couple qui s'aime pour toujours. Et je veux que ça t'arrive. Moi aussi je veux que ça m'arrive, mais c'est à moi seule de le trouver. Comment tu l'aurais vécu si ta mère avait choisi papa à ta place et avait retiré tout le romantisme et toute la magie de votre rencontre? Il faut que je fasse mes propres erreurs et à ma manière. J'aurais jamais imaginé que je pouvais être... Tu te rends compte que tu m'empêches de respirer? J'ai l'impression que tu veux gérer ma vie parce que tu penses que toute seule j'en suis pas capable. Alors ça c'est faux. Tout ça, c'est ma façon de continuer à exister. Pas seulement pour toi, mais pour moi. Je veux continuer à être cette mère avec qui tu fais les boutiques. Celle que tu appelles quand tu as un secret à partager ou quand tu cherches des encouragements. La mère dont tu as besoin, et non pas cette femme triste. Celle qui s'apprête à prendre sa retraite et à tourner le dos à ce qu'elle était. Tu seras toujours ma mère, tu sais. Et quoi qu'il arrive, j'aurai toujours besoin de toi. Même si tu me rends complètement dingue. Est-ce que j'ai le droit de te prendre dans mes bras ? Oui. Tu me pardonnes, mon trésor ? Oui. Voilà pour vous. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oh non, ça ira, merci. Dites, j'ai une petite question. Allez-y. Est-ce qu'il y a toujours autant de rebondissements ici ? Ah, et encore, ça, c'est rien. Oh. Bon appétit. C'est peut-être mieux comme ça. Je vais me consacrer entièrement à mon travail pendant quelques temps. Non, très mauvaise idée. Il faut que tu l'appelles, c'est tout. Malheureusement, je crois que j'ai laissé passer ma chance. Arrête de te lamenter sur ton sort et appelle-la. Tu l'as encore, ta chance. Sinon, elle va te filer entre les doigts. On va fêter ça ici. Pourquoi pas ? Et ton père serait content. Je reviens tout de suite. Salut. Écoute, voilà, en fait, je t'appelle parce que j'aurais voulu qu'on discute. Je sais pas, Eric. On prend juste un petit café, c'est tout ce que je te demande. Mais on pourra même faire le menu ensemble. Laisse-moi au moins une chance de m'expliquer. C'est une très bonne Claire, idée, ça. S'il te plaît. D'accord. La semaine prochaine, par exemple. Oui. Je peux te retrouver dans une heure à ce café à côté de ton boulot. Ok, génial. Yes. Ouais, super. Oh, non, ne fais pas attention. Je sais pas si je suis disponible. Ça ne dit pas d'y aller. Est-ce que je peux m'asseoir ? Dana ? Désolée, en fait, pour tout te dire, j'attends quelqu'un. Oh, je vois. Très bien.
Je voulais simplement que les choses soient claires. Mm-hmm. Je sais que je peux être un peu distante parfois, mais tu m'intéresses, Eric, même si ça ne se voit pas forcément. Dana, je vois quelqu'un en ce moment. Et elle devrait être là, d'une minute à l'autre. Et est-ce que c'est sérieux? Ça l'est pour moi, ouais. Il était pas du tout comme j'imaginais, c'est marrant. Bon, eh bien, bonne chance alors. Salut. C'était qui? Elle, c'était une de mes collègues médecins. Dana. Vu le regard qu'elle m'a lancé, je présume que c'était un peu plus qu'une simple collègue. Vous êtes sortis ensemble? Non. Enfin, si, on a été ensemble, mais c'est... C'est elle que tu devais voir quand t'as rencontré ma mère. Attends, ta mère t'a dit que j'avais un rencard ce soir-là? C'était pas une bonne idée. Non, écoute, entre elle et moi, c'est terminé. On a dû se voir deux ou trois fois, mais il n'y a plus que toi maintenant. Claire, s'il te plaît... Non, Eric, je suis désolée. Je peux pas, je regrette. Excellent, je viens le revoir 100 fois. Ça y est. Quoi? On a notre critique. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? J'en sais rien. On m'a dit qu'elle venait d'être mise en ligne, mais je l'ai pas encore lue. Ok, attends. Voilà. Allez, c'est parti. Les douceurs du palais, une nouvelle enseigne dans la catégorie déjà saturée des déjeuners sur le pouce. C'est pas très engageant. Continue, t'arrête pas. Mais cette pâtisserie est la crème des crèmes. On est des stars, Claire. Ils nous adorent. Attends, laisse-moi lire un peu. Le pain aux olives était un pur régal et préparé avec amour et virtuosité. Oui, la recette de ton père. Qui le tenait lui-même de son père. Papa. Ils seraient tous les deux très fiers de toi. Ensuite, le délicat croissant aux épinards et prosciutto était aussi divin que surprenant. Mais attends, c'est pas ce qu'il a commandé. Bah non. Mais oui, je sais. Le gourmet ambulant n'est pas un homme, c'est une femme. Ah, voilà qui explique pourquoi elle a si bon goût, ça tombe sous le sens. L'éclair au chocolat était incomparable, alliant tradition et subtilité. Mes compliments au chef, ici présent. Oui, 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 ça va, on a compris, fais voir ça. Quant à l'atmosphère, elle ne manquait pas d'attrait, ni de rebondissement que les gérants nous ont gracieusement offert aussi bien en salle que dans la cuisine. Ça va plaire à ma mère, ça. Ce petit coin de paradis mérite amplement que je lui accorde ses 4 étoiles. Oh, la 4 étoiles. J'ai la meilleure note. On a réussi. Je suis tellement fière de vous. Je t'avais dit qu'on y arriverait. Ah oui, tu l'avais dit. C'est parfait. Il faut qu'on se trouve des tables, on en a plus assez. Et de la main d'œuvre aussi. Au revoir. À bientôt. De baguettes, s'il vous plaît. Et si on achetait la boutique d'à côté, ce serait bien. Oui, c'est dans le sens de l'économie. Merci, à bientôt. On a déjà plus de pain aux olives, t'imagines? Il va falloir que j'en refasse. Oui, je vous écoute. Un prosciutto et une tarte au citron. Chérie, c'est délicieux. Ce soir, je voulais vraiment marquer le coup. Ah oui, en quel honneur? Disons que j'ai décidé d'entamer un nouveau chapitre. À partir de maintenant, je laisse les choses suivre leur cours et je ne m'en occupe pas. Mais elle est au courant de cette résolution? Oh, bien sûr, c'est même elle qui m'en a donné l'ordre. Il paraîtrait qu'il faut que je vive ma vie et que je la laisse vivre la sienne. Ta fille est pleine de sagesse, dis donc. Si seulement elle pouvait se remettre avec Eric, ce serait tellement bien. C'est ce que je dirais si je m'occupais de sa vie amoureuse. Désormais, je m'occupe plus que de la mienne. Tu aimes tes carbonara? Franchement, il n'y a que les Italiens pour aller mettre des lardons et des œufs dans tes pâtes. Oh, ces Italiens, qu'est-ce qu'ils sont forts. Il faudrait qu'on y aille un de ces jours. T'es prêt pour le dessert? J'ai à peine commencé. Je tiens plus en place. De bons cannolis siciliens, un petit cadeau de ta fille. Et ça... C'est de la part de ta femme. C'est pour moi, t'es sûre? Deux billets pour Venise. Et pour la Toscane, et pour la côte. Je te suivrai partout où tu voudras, monsieur Michaels. Peu importe où je vais. Tant que tu es à mes côtés, madame Michaels. Et pour finir, on posera nos valises à Florence. J'arrive pas à croire que vous partiez dans si peu de temps. Dans une semaine demain. Ça va être dur d'attendre, j'aimerais déjà y être. Wow, Claire, on dirait une œuvre d'art. Je l'ai appelée Viaggio Sicuro. Oh, magnifique. Bonjour.
Oui, ma... Oh, bonjour. Ça va? Je tenais à vous remercier pour votre critique si élogieuse. Oh, non, pas de ça entre nous, vous l'avez mérité. Surtout, ne divulguez pas mon identité. Pas de problème. Je suis ravi de voir que vous devenez une habituée des lieux. Oh, ben oui, évidemment. Avec tous ces rebondissements, on ne s'ennuie jamais. Oui, c'est vrai que la vie de Claire est une vraie telenovela. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'un nouvel épisode va commencer. Je vais vous chercher d'autres assiettes. Tiens. Je savais qu'il veut du gâteau. Eric, fais pas ça, s'il te plaît. J'essaie de t'oublier, c'est pas facile. Comment tu veux m'oublier alors qu'on est fait l'un pour l'autre? Tu m'as dit que tu ne croyais pas au destin. C'est vrai. Alors pourquoi es-tu venu? Je suis venu pour toi. Je suis venu pour nous. Allez, Claire, fais un pas vers lui. Eric. Écoute, tu peux dire que c'est le destin, ou de l'intuition maternelle, ou le fruit du hasard qui t'a mis sur mon chemin. Peu importe ce qui nous a réunis, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que je t'aime et que je ne veux plus jamais te perdre de nouveau. Qu'est-ce que vous attendez pour l'embrasser? On va pas la faire attendre. Elle peut attendre. Pas moi.